Chers pèlerins, chers amis de la chaîne de télévision C'est les Lumières, en ce mardi de la troisième semaine du Carême, nous sommes tous réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous propose de participer à cette Eucharistie ce matin en communion de cœur et d'esprit avec tous les cardinaux du monde entier, réunis à Rome pour la préparation du conclave et de l'élection du nouveau pape. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Azarias, condamné au supplice du feu, priait debout au milieu de la fournaise. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, ne nous abandonne pas à jamais, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, pour l'amour d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, d'Israël, ton élu. Tu leur as promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable sur le rivage des mers. Seigneur, nous sommes devenus le plus petit de tous les peuples, et aujourd'hui nous sommes humiliés sur toute la terre à cause de nos péchés. À présent, nous n'avons plus ni chef, ni prophète, ni prince, plus d'holocauste, de sacrifice, d'oblation, plus d'offrande de l'encens. Nous n'avons plus de lieu pour t'offrir les prémices et trouver grâce auprès de toi. Accueille-nous cependant avec notre âme brisée et notre esprit humilié, comme si nous présentions un holocauste de béliers et de taureaux, un sacrifice de milliers d'agneaux gras. Que notre sacrifice de ce jour soit aujourd'hui devant toi et qu'il obtienne ton pardon, car ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Et maintenant, de tout notre cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous recherchons ton visage. Ne nous laisse pas dans le déshonneur. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, enseigne-moi tes voies.
fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, je ne suis qu'amour et bonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. «
Chers amis, cet évangile que nous venons de proclamer est rempli d'une profonde sagesse. L'apôtre Pierre s'approche de Jésus pour lui demander combien de fois il faut pardonner aux autres. En faisant cette demande, l'apôtre Pierre pensait faire preuve de beaucoup de générosité, parce que les rabbins et les docteurs de la loi disaient qu'on pouvait pardonner 4 fois aux autres. 4 fois. Pierre, lui, propose de pardonner jusqu'à 7 fois. Et il espère bien que Jésus saura apprécier sa grande bonté. Mais pour Jésus, il n'y a pas de limite au pardon. Il faut pardonner toujours, comme Dieu, qui est capable de pardon à l'infini. Et Jésus se met à raconter l'histoire d'un serviteur qui devait une dette énorme à son maître. En argent d'aujourd'hui, vous savez, cette dette représente 600 000 $. Il s'agit d'une somme d'argent fabuleuse qu'aucun maître sur cette terre ne saurait remettre facilement. Vous en connaissez des maîtres, vous, qui remettraient une dette si élevée? Et pourtant, Dieu, lui, le maître par excellence, est capable de remettre une dette énorme. Seul Dieu est d'une générosité invraisemblable et d'un pardon infiniment répandu. Or, dans cette parabole racontée par Jésus, ce serviteur à qui l'on vient de remettre une dette énorme et fabuleuse refuse de remettre la dette d'un de ses compagnons qui lui doit presque rien. Dans l'argent d'aujourd'hui, la dette de ce compagnon représente tout juste 10 $. Vous voyez comme moi la différence entre 600 000 $ qu'on vient de lui remettre, puis lui, il refuse de remettre la dette de 10 $ à son compagnon. Alors, le maître va lui dire, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'ai eu pitié de toi. » Pour Jésus, le devoir du pardon mutuel se fonde sur le fait que nous sommes nous-mêmes bénéficiaires du pardon de Dieu. On pardonne vraiment aux autres et à tous ceux et celles qui nous ont fait du mal quand on a conscience soi-même d'avoir été pardonné par Dieu. Autrement, on n'y arrivera pas jamais. C'est du côté de Dieu qu'il faut regarder si nous voulons devenir capables de pardon. Et dans la prière du Notre Père que nous récitons durant l'Eucharistie que nous célébrons ce matin, nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À l'occasion de la neuvaine à Saint-Joseph, qui va commencer en fin de semaine, sachons accueillir l'amour infini de Dieu à notre égard. Alors, nous apprendrons à pardonner et à être bons pour les autres. Oui, accueillons le pardon du Seigneur de tout cœur et sachons aussi pardonner de tout cœur à nos frères et sœurs. Amen.
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la victime offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ça, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » «
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. » Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu.